n'êtes pas derrière, franchement, c'est pas sympa. Moi, franchement, vous abusez, les gars, c'est pas cool du tout. Franchement, c'est pas les gens. Chaîne démocratie. Non, faut pas dire ça. La semaine dernière, et toi, avec ses propos, il m'a dit qu'il se casse en deux. Vous assumez ce que vous avez dit. Mais c'est justement ce qu'on veut, un changement dans les votes. Il y a deux ans qu'il fallait réfléchir. Mais tu crois que j'ai voté pour lui? Ça fait 20 ans que je manifeste contre ce système. Ça fait 20 ans que je manifeste contre ce système. Ouais, on a voté pour lui, mais qu'est-ce qu'on a été pour? Voilà. On a été pour. Maintenant, il faut l'assumer. Mais on ne pensait pas qu'il allait faire ça aussi. Ah si, moi je savais qu'il allait faire ça. Non, rendez-vous dans 3 ans, il vous votera encore pour lui. Non, pendant 3 ans, vous croyez qu'il va rester 3 ans? Oui, de toute façon, il peut rester 3 ans, mais il ne va plus rien faire. Hein. Tellement les gens nous détestent. Que 10 secondes maintenant, qui présidera la France ces 5 prochaines années? Il est temps pour nous de vous livrer l'estimation. Ipsos Soprasteria est élu ce 24 avril. Emmanuel Macron, 58,2%. Et vous voyez, la foule en liesse au Champ de Mars, où l'on célèbre la victoire d'Emmanuel Macron.